Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de la science. Et si les plantes pouvaient remplacer les engrais chimiques? Vous allez voir que c'est possible. Nos chercheurs essaient en effet de trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement afin de fertiliser nos sols naturellement. Quelles méthodes ont-ils développées? Comment procèdent-ils? C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite sur NCTV. Et tout de suite, direction Boulou-Paris, où nous allons découvrir une parcelle agricole du CREA, le Centre de Recherche et d'Expérimentation Agronomique. Nous allons vous montrer comment les plantes peuvent aider les agriculteurs à enrichir nos sols naturellement. L'idée de notre scientifique, fertiliser nos sols avec les plantes. Et figurez-vous que ça marche. Alors, quelles sont les solutions? On regarde. Alors ici, on est sur la parcelle de la Wengi. Donc c'est une parcelle qui fait 15 hectares sur laquelle le CREA fait différents essais sur tout ce qui est grande culture. Alors les grandes cultures, c'est tout ce qui est céréales. Et puis après, on a tout ce qui est squash, tournesol, soja et puis différents types de légumineuses. Alors sur le terrain, au niveau du CREA, donc on a des parcelles en essais contrôlés et on a aussi des parcelles chez les agriculteurs, qu'on appelle des parcelles de validation, où là on prend ce qui marche bien sur nos parcelles à nous, et puis on met ça en grandeur nature chez les agriculteurs pour voir les contraintes qu'il peut y avoir en milieu réel. En Nouvelle-Calédonie, on a des sols qui sont souvent très riches en magnésium, qui ont des pH assez hauts. Donc ça crée des conditions assez particulières au niveau de la chimie du sol. Mais on arrive quand même très bien, oui, à faire pousser quasiment la totalité des cultures qui existent dans le monde, vu qu'avec le climat subtropical, puis la saison chaude, la saison fraîche, on arrive aussi bien à faire les cultures tropicales que les cultures tempérées. Une autre particularité, mais qui est un peu induite par ces conditions chimiques des sols, hein, donc des pH élevés, des carences en phosphore, des taux de magnésium élevés, c'est qu'on a une activité biologique des sols qui est très faible. Et on a souvent des taux de matière organique des sols qui sont élevés. Donc ça, c'est bon, mais presque en Calédonie, c'est trop élevé, c'est du 4%, 5%. Mais c'est une matière organique qui est un peu inerte, on appelle ça des matières organiques mortes. C'est-à-dire que ça n'échange pas avec le sol. Elle conserve un peu tous les éléments nutritifs en elle et ils ne sont pas redisponibles pour les plantes. Donc il y a tout ça aussi à redémarrer avant d'avoir une bonne fertilité des sols. Alors la matière organique des sols, c'est très important. C'est un peu la base d'une fertilité des sols, hein. C'est parce que c'est vraiment ce qui permet de stocker tout ce qui est éléments nutritifs pour les plantes. Donc les éléments nutritifs, c'est tout ce qui est azote, phosphore, potasse, plus tous les micro-éléments aussi. Ça permet aussi de stocker l'eau. Donc si vous voulez, la matière organique associée aux argiles des sols, ça représente un peu le frigo du sol. C'est le réservoir à nutriments du sol. Et donc c'est ça après qui permet aux plantes de se nourrir. Elles se nourrissent grâce à ces nutriments qui sont fixés sur la matière organique. Donc elle est très importante. Il faut qu'on en ait un certain niveau dans les sols et il faut aussi qu'elle soit active. Et pour qu'elle soit active, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup d'activité biologique des sols. Voilà. Donc des micro-organismes, des macro-organismes qui permettent de minéraliser cette matière organique. L'agriculture bio, ils ont un petit peu les mêmes principes que nous en semi-direct, c'est-à-dire vraiment améliorer la fertilité des sols par la matière organique, les rotations, la diversité des cultures sur la parcelle. Le principe d'une rotation, c'est que chaque culture, elle a une façon différente de tirer les éléments du sol. C'est par exemple entre un maïs et un soja, ils ne vont pas avoir les mêmes propriétés à tirer les phosphores. Des phosphores que le maïs ne peut pas tirer, lui, le soja, il va pouvoir les prendre. Donc après, c'est des phosphores qui se retrouvent dans les feuilles, dans les gousses du soja. Et puis quand on a fini de récolter ces cultures, ben tout ce qui est dans les feuilles, dans les tiges, c'est reminéralisé, ça revient au sol sous forme cette fois de phosphore organique, et puis après ça redevient assimilable pour les autres cultures. Et la rotation, ça permet aussi de réduire aussi tout ce qui est ravageur. Que quand on est en monoculture,
on a une pression de ravageurs qui augmente chaque année. Le fait de faire des rotations, ça peut casser les cycles des ravageurs. Donc ça fait diminuer ces pressions-là. Dans les sols, on a les argiles, les limons et les sables. C'est ce qui forme un peu la matière physique d'un sol. Les meilleurs sols, ils sont un peu équilibrés. C'est-à-dire qu'on a 30% d'argile, 30% de limon, 30% de sable. Ça, c'est un peu le sol bien équilibré, le sol un peu rêvé, quoi. Donc un sol labouré, si vous voulez, on a complètement cassé toute sa structure physique. Là, un sol qui est labouré, il est sensible à l'érosion, par exemple. Si on a des fortes pluies, un sol comme ça, il va tout de suite se compacter et puis on va avoir une croûte de battance qui va se former. Ça va être comme du ciment sur le dessus, sur 3 cm, ça va faire une croûte. Cette croûte, après, il n'y a plus d'oxygène qui rentre, l'eau, elle s'infiltre mal aussi, elle ruisselle, ça fait de l'érosion à cause de ça. Donc, si vous voulez, c'est toute cette structure physique des sols que quand on laboure à chaque fois, ben, on casse un peu. C'est pour ça qu'avec les techniques de semi-direct qu'on est en train de mettre au point, alors il n'y a pas de recette magique, hein, c'est quand même, il y a d'autres contraintes qu'en labour. Mais voilà, le but c'est vraiment de redonner un peu de la vie au sol et un peu de s'imprégner de ce qui se fait dans la nature. Donc là on a par exemple une parcelle de maïs. Donc là comme on voit, le sol il est couvert. Donc on n'a pas travaillé le sol pour semer ce maïs. Et donc sur cette parcelle, la rotation, là on a 3 cultures sur 12 mois. Donc sur la période cyclonique, janvier à mars, on met une plante de couverture légumineuse. Là cette année c'était du pois à vache. Début avril, on sème une première céréale, donc un maïs, qu'on va récolter à peu près fin août. Et début septembre, on met une deuxième céréale. Donc là, c'est du maïs, on a à côté du sorgho grain. Et là, on met des cycles un peu plus courts pour pouvoir les récolter vers la Noël. Donc ça nous permet, si vous voulez, de faire 2 récoltes de céréales, de grains dans l'année, plus la plante de couverture légumineuse qui nous fait un couvert, qui nous apporte de l'azote et qui nous améliore les sols. Alors ici, on a développé au CREA depuis 4 ans les techniques de semi-direct sur couverture végétale. Donc le semi-direct, pour faire simple, c'est on arrête de labourer et on va planter les cultures sur des sols donc, qui n'ont pas été labourés et où on a installé au préalable des plantes de couverture. Donc ces plantes de couverture, elles nous font comme un paillage et on va semer directement là-dessus. Alors, ce qu'on appelle les plantes de couverture, c'est des plantes qu'on va mettre vraiment pour améliorer notre fertilité générale des sols. Souvent, les plantes de couverture, on choisit aussi des plantes qui ont des systèmes racinaires très développés. C'est-à-dire qu'elles vont aller se nourrir à 1 mètre, 1,50 mètre, voire 2 mètres. Donc à 2 mètres, il y a encore des éléments, des nutriments dans le sol. Sauf que les plantes cultivées, généralement, elles n'y vont pas. Donc là, elles vont aller les chercher à 2 mètres. Ces nutriments, ils se transforment, ils sont dans les feuilles, ils sont dans les racines, ils sont dans les tiges. Et après, ils sont reminéralisés dans les 30 premiers centimètres du sol. Et ils sont donc assimilables par nos cultures commerciales. Vraiment, cette technique, à la base, elle a été créée pour rendre la fertilité au sol. C'est un peu comme on faisait avant des jachères, quand on laissait les sols en jachère, c'était pour refaire les sols. Mais nous, si vous voulez, c'est des jachères accélérées. Et si vous voulez, le fait de jamais travailler le sol, en fait, on a une minéralisation continue au niveau du sol, de tout ce qui est résidu de culture ou plantes de couverture, qui après, donc, après minéralisation, elles sont bloquées dans le sol sous forme de matière organique. Et c'est ça qui permet d'augmenter le taux de matière organique. Et aussi, ça permet d'augmenter l'activité biologique. Puisqu'on ne touche pas le sol, donc déjà, on n'a pas d'outils qui vont agresser, disons, tous les micro-organismes. Et aussi, le fait que le sol il soit toujours couvert, ça permet de garder une certaine humidité qui est propice à la vie des micro-organismes. Les plantes de couverture, donc, une fois qu'elles ont fini leur cycle, on les roule et puis on va semer nos plantes commerciales directement dessus. Donc déjà, en fait, si vous voulez, elles nous ont laissé un mulch, on appelle ça un mulch, c'est comme un paillage. Et donc ce paillage, au niveau de l'évapotranspiration, il va réduire l'évapotranspiration, il va permettre aussi de limiter la poussée des mauvaises herbes. Voilà, donc ça c'est le premier bénéfice, disons, physique, direct des plantes de couverture. Et après, ben voilà, il y a tout ce qui est fixation de l'azote. Donc ça, par contre, après, ça va s'étaler dans le temps, hein, c'est pas immédiat.
plus développement de l'activité biologique grâce à ces plantes de couverture. Là, on est donc ce qu'on appelle sur les deuxièmes cycles. Donc c'est une deuxième céréale derrière céréale. La plante de couverture, elle était avant le premier maïs. Donc ce qu'on voit là, c'est tous les résidus de récolte de nos premiers maïs. Donc eux, ils sont en cours de minéralisation. Donc vous voyez, hein, y a les tiges qui sont encore grosses comme ça. Alors elles se font attaquer à la fois par des champignons. Hein, on voit qu'il y a des champignons qui attaquent. Et puis il y a aussi tout ce qui est macrofaune qui va commencer à les attaquer. Et puis plus on va à l'intérieur, ben, plus c'est déjà minéralisé. Donc à la fin, on a vraiment un sol, vous voyez, qui est bien aéré, qui est bien organisé. C'est comme on a fait un compost en fait directement sur la parcelle. Alors là, on a d'autres types d'essais qu'on a commencé cette année. Là, on essaye maintenant de travailler avec des plantes de couverture pérennes. Pérennes, ça veut dire qu'elles ne vont jamais mourir, enfin au bout de 3-5 ans hein, seulement. Et donc, on essaye de les maintenir vivantes et puis donc de faire des plantes commerciales dessus. Là, ici, par exemple, c'est de la luzerne. Donc la luzerne, qui est une plante, disons, plutôt tempérée. Donc elle va produire sa biomasse surtout pendant la saison fraîche. En saison chaude, elle va être un peu plus faible. Donc là, je vais casser hein, les pivots parce qu'ils sont vraiment profonds. On va pouvoir regarder déjà. Voilà, dès qu'il y a beaucoup de racines, voilà, vous voyez cette structure granuleuse qu'il a. Donc ça, c'est des sols qui sont bien aérés, qui sont poreux, l'eau, elle s'infiltre très bien là-dedans. Tous les micro-organismes, ils ont assez d'oxygène, assez d'eau pour se déplacer. On va regarder les nodules. Alors, c'est ce qu'on appelle les nodules. Là, c'est tout ce que vous voyez blanc comme ça. Là. Alors, c'est très petit sur la luzerne. En fait, c'est une bactérie qui s'est mise sur la racine. Ça fait une symbiose. Et c'est ce qu'on appelle un nodule. Et c'est ce nodule-là qui fixe l'azote du sol. Donc ça, il n'y a que les légumineuses qui sont capables de faire ça. Donc, vous voyez, c'est tout ce tas de nodules-là, ben, c'est rempli d'azote. Elle, la légumineuse, elle se nourrit avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la nourrir en azote, elle se nourrit toute seule. Et puis après, elle laisse tout ça aussi pour les cultures d'après. En ce qui concerne le semis direct, c'est vraiment dans le but de produire davantage sur chaque parcelle. Hein, c'est vraiment le fait de pouvoir faire, au lieu d'une récolte, de pouvoir en faire deux, voire trois. C'est pour vraiment essayer de rendre les parcelles plus efficaces et donc aussi économiquement plus viable pour les agriculteurs, quoi. Et à terme, bien sûr, donc l'autre but, c'est aussi de, tout en gardant un niveau de performance élevé, c'est de diminuer tout ce qui est utilisation d'intrants de synthèse. Un intrant de synthèse, bon, alors en grande culture, c'est surtout ce qui est engrais. Voilà. Diminuer aussi l'irrigation. Voilà, par exemple, c'est les deux grosses thématiques un petit peu sur les grandes cultures en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, nous nous rendons à La Foix. Vous allez voir que Zachary Lemaire d'Esprez et Erwan Kwapol ont mis en place un partenariat pour essayer de valoriser les déchets verts et étudier le compost généré par ces déchets. Que font-ils de ces déchets verts? Pourquoi ils étudient le contenu de ce compost? Je vous laisse découvrir ça en images. Donc ici, on est sur la déchetterie de Pau-Creux, La Foix. Donc en gros, sur la déchetterie, ben, on a une plateforme de réception des déchets verts qui est derrière nous. Donc les déchets verts récupérés à partir d'un certain stock, ils sont broyés. Donc si tu vois derrière, tu as le gros tas de broyats en fait. Donc il y a une partie de ce tas-là qu'on met à disposition des particuliers, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir se servir. Remplir une benne pour son petit champ à la maison ou voilà, son petit potager. Depuis à peu près 3 ans, la province sud a lancé une étude sur, en gros, une réflexion sur la gestion des déchets organiques. Dans cette réflexion, on a fait des tests de compostage en fait pour montrer que les déchets verts issus des collectivités étaient valorisables. Donc en janvier, le test a commencé en avril. En janvier, on avait 15 tonnes de compost qu'on a laissé affiner 2 mois et ensuite qu'on a criblé. Donc en fait, en gros, on a réussi à faire du compost quoi, avec nos déchets verts. La suite cette année, c'est qu'on a présenté nos résultats au monde agricole parce qu'on pensait que, enfin, on pense toujours que la valorisation des déchets verts doit aller vers le monde agricole. Le principal du rôle du compost, c'est vraiment un amendement organique. Alors un amendement organique, en fait, c'est un apport au sol
qui va améliorer la structure de ton sol, qui va revitaliser le sol en gros. Ça veut dire que tu vas redynamiser la vie dans le sol, tu vas avoir une meilleure rétention d'eau. Tu vas améliorer vraiment la fertilité physique, ça veut dire la fertilité de la structure du sol. Et donc voilà, tu vois, si on creuse un peu comme ça, donc là il chauffe. Et donc là on a du compost quoi, on a quasiment du compost. En fait, en théorie, un compost de déchets verts, on dit qu'il faut 30 de carbone pour 40 d'azote. Donc en gros, tout ce qui est carbonaté, c'est tout ce qui est branche du sec, du déchet vert brun, en gros. Et tout ce qui est azoté, ça va être les tontes de gazon, par exemple, qui sont très azotées, les feuilles, etc. quoi. Sur les déchetteries, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Nous, sur les déchetteries, on ne fait pas ce tri-là. On n'arrive pas à 30-40, mais en fait, on a vu par rapport au premier essai, et j'espère que les deuxièmes essais vont nous le confirmer, que le jardin calédonien est assez hétérogène en composition en carbone sur azote. Donc, c'est-à-dire que sur les apports qu'on a en déchets verts, on a assez de branches, de déchets verts bruns, etc. Et en mélange avec des tontes et des feuilles, au final, quand on broie tout ça, on a un mélange qui est propice au compostage. Maintenant, on va aller voir avec l'essai qu'on a fait l'année dernière, le produit fini. Donc un produit qu'on a stocké sur la station de Pau-Creux de l'Institut agronomique calédonien en prévoyance d'expérimentation. Et aussi, on a fait des animations sur les déchets pour sensibiliser. On a fait gagner des sacs de compost, etc. C'était top. Et donc, on va aller voir justement ce produit fini, le fameux le compost l'or brun, comme certains l'appellent. Donc on a transporté en fait le produit fini de la déchetterie Pau-Creux à l'IAC en prévision de faire des essais en fait, des essais en agronomie en gros, et un suivi en entomologie. Et on stocke ici près de la pépinière pour une utilisation en pépinière hein, tout simplement. Bonjour Bertha. Bonjour Bertha. On est à la station de recherche pétière de Pau-Creux. Un bon pépiniériste, c'est celui qui sait maîtriser ses substrats. Les substrats, c'est-à-dire la terre ou le mélange de terre qui va recevoir les graines, les semis, puis les plants. Voilà. Et ça, pour un pépiniériste, bah, c'est quand même super compliqué. Et qu'est-ce qui nous rend bien service d'habitude? Bah, c'est par exemple le terreau qu'on importe. Le terreau qu'on importe, il est standardisé et on n'a jamais trop de mauvaises surprises avec. Voilà. Donc nous, histoire d'essayer de diminuer un petit peu les coûts de production, par exemple, on est amené à faire nos propres mélanges avec de la terre, du sable, du terreau, on apporte aussi du calcaire. Mais le problème, c'est qu'il faut acheter du terreau qui vient d'ailleurs, hors Nouvelle-Calédonie. Et l'objet de cette collaboration avec nos amis du SIVM, qui au départ était de caractériser une méthode de production de compost, maintenant on va plus loin. Quelle application pour la profession de pépiniériste, d'horticulteur, voire même de maraîcher, hein, c'est pas le problème. Et on va comparer le compost qu'on a sorti du SIVM, criblé, avec différents autres types de mélanges qu'on a l'habitude de faire. Selon trois modalités. La modalité terreau du commerce, c'est celle qui est au fond là-bas. Il y a trois bacs, pour répéter trois fois. C'est le dispositif statistique après, hein, pour que nos données soient cohérentes avec les différentes mesures qu'on va faire après. Hein. Donc trois bacs avec du terreau du commerce. Trois bacs avec du compost de la foie, des déchets verts, brut. Trois bacs avec du compost de la foie brut, additionné d'aliments pour la plante, d'engrais, azote, phosphore, potasse, calcium, de manière à se rapprocher le plus possible de ce qu'on peut trouver dans le commerce sous forme de terreau. Voilà, c'est le principe. Et ensuite, on compare tout ça par rapport à tout ce qui va pousser dans ces différents bacs. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure quand on était dans la serre l'aspect semis où on va tester différents types de substrats qui reçoivent les semis dont le compost produit localement. Et quand ils sont bons à repiquer, après le stade semis, on les emmène ici, donc c'est ce que vous avez devant vous, des plants qui sont repiqués issus de semis de la serre. Dans les mêmes conditions d'essai de substrat,
que ce qu'on a vu dans la serre, c'est-à-dire de la terre, du sable, de la terre, du sable, du terreau importé, de la terre, du sable, du compost produit localement. Donc le but de l'opération, c'est de voir quel substrat fonctionne le mieux vis-à-vis de cette multiplication de plants fruitiers. Et à partir de là, l'objectif, c'est de valoriser le compost local, voire aussi le concompost, puisque ça fait aussi partie des perspectives qu'on a avec le SIVM. C'est d'une part tester le compost de déchets verts, comme on l'a vu, mais aussi maintenant aller plus loin et faire du co-compost, fabriquer du co-compost à partir de déchets verts, de fiente de volaille et ou de lisier de porc. Voilà. Le but de l'opération, au-delà de l'expérimentation, c'est de fournir une technique aux horticulteurs, aux pépiniéristes, qui vont pouvoir intégrer en valorisant le compost local pour produire des fruitiers tropicaux pérennes à destination des professionnels et des gens qui produisent du fruit en Nouvelle-Calédonie. Bien, bonjour Lorraine. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Mais il y a aussi un petit aspect qui est important, c'est l'évaluation de la faune qu'on peut trouver dans le compost et qui va contribuer au processus de compostage de manière efficace. Voilà. Alors, les insectes, en fait, participent vraiment à la dégradation de la matière organique dans les premiers stades. C'est-à-dire que là, le compost qu'on a, on voit qu'il y a encore des fragments, il y a encore de la paille, il y a encore du bois. Donc, les animaux-là, ils vont, en gros, couper en morceaux tous ces débris végétaux. Et donc permettre après l'accès à des organismes plus petits pour une fragmentation plus fine jusqu'à au final obtenir de la terre. Les animaux vont fuir la lumière et la sécheresse, donc ils vont descendre à la recherche d'obscurité et d'humidité, sauf que là ils vont tomber donc dans l'entonnoir et glisser jusque dans le tube collecteur qui contient de l'alcool où ils vont se noyer. Et ça nous permet donc de savoir lesquels sont présents dans le compost en Nouvelle-Calédonie. Après, pour les animaux un peu plus gros, on va utiliser ce qu'on appelle un piège fosse. Donc c'est tout simple aussi, on enterre le petit pot à la surface du sol, donc à cette hauteur-là. Les animaux qui passent, ils tombent dedans et ils se noient dans un liquide de conservation. Donc là, ça permet de récupérer des animaux plus gros comme des mouches ou des scarabées, des choses comme ça. Donc ces animaux-là, on va les récupérer aussi. On va les trier, on va mettre tous ceux qui se ressemblent ensemble et ensuite on va essayer de les identifier. Donc là en l'occurrence, j'ai ce qu'on appelle des chrysomèles. Donc ce sont des coléoptères, donc des insectes qui ont une carapace un peu sur le dos, un peu dure, comme les coccinelles, les choses comme ça. Et donc une fois qu'on les a triés, on peut les mettre en collection dans des boîtes de ce type. Et donc ces boîtes-là, elles permettent après d'identifier les nouveaux insectes qu'on obtient. Par exemple ceux-là, je vais les comparer avec les animaux qui sont dans la boîte et comme ça je vais pouvoir dire quelle espèce c'est. Et ces animaux sont importants pour le compostage, notamment dans les premières phases en fait, pour la décomposition de la matière organique fraîche, la fragmentation, la digestion en fait de tout ce quand c'est encore en gros morceaux. Et après, quand la matière organique va être vraiment réduite en fines particules, c'est là que vont intervenir les microbes, la microfaune, donc tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons et tout ça, et eux vont vraiment finir le processus de compostage pour rendre les éléments assimilables par les plantes. Moi, je tiens à souligner quelque chose d'important dans cette petite opération de compostage de déchets verts, c'est qu'au départ, on a des collectivités qui gèrent une importante quantité de déchets en général en Nouvelle-Calédonie. On est au-delà des 25 000 tonnes de déchets verts et des 35 000 tonnes de fientes de volaille et de lisier de porc annuels, voilà, notamment rien qu'en province sud. Tout est enfoui, donc non valorisé, et tout ça, ça représente un coût pour la collectivité. Donc la démarche est de dire il faut essayer, un tant soit peu, de valoriser les déchets produits par la population en Nouvelle-Calédonie, quoi. Il apparaît que le compost produit en Nouvelle-Calédonie, il est de nature amendement organique qui va donc améliorer la structure des sols par l'apport de matière organique. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de carbone, qu'il n'y a pas beaucoup d'azote, qu'il n'y a pas beaucoup de phosphore et pas beaucoup de potasse, c'est pour ça que c'est un amendement, mais de toute manière au niveau de la conformité du produit à la norme, oui, on est dedans sur ces critères agronomiques
que l'on voit ici dans ce rapport d'analyse. En dehors de ces critères agronomiques, il y a aussi bien entendu l'innocuité du produit par rapport à certains éléments traces métalliques. Et bien entendu, ben, on est en Nouvelle-Calédonie, terre de nickel, et notre compost produit localement contient du nickel au-delà de la norme. Maintenant, le produit, c'est un produit qu'on va utiliser localement, qui n'est pas spécialement dédié à l'export. Et après, c'est à nous de réfléchir entre techniciens et services compétents, administratifs, pour voir comment on pourrait adapter cet indicateur nickel au contexte calédonien pour justement rentrer dans une norme qui nous permette de valoriser ce produit localement. On a aussi l'analyse sur les micro-organismes pathogènes, donc surtout les salmonelles et les helminthes. Donc il y a une absence totale de ces deux pathogènes dans notre compost, ce qui suggère que l'hygiénisation s'est bien déroulée en amont. Et à partir de là, on a un produit qui rentre dans le standard européen, sauf pour le nickel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de comprendre que fertiliser nos sols naturellement, c'est possible. À l'avenir, la science contrôlera de mieux en mieux les mécanismes des végétaux et deviendront peut-être l'outil pour nourrir, fertiliser nos sols naturellement et utiliser les ressources des sols raisonnablement. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous des coulisses de la science.